Christophe de Roubaix, bonjour, bienvenue sur ce direct avec nous. Alors, on vous a déjà eu ce matin, on vous avait fait un premier point sur ce qui s'est passé cette nuit. Donc, à l'heure à laquelle nous sommes, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau des résultats? Et surtout, on a entendu que Trump, dès ce matin, se positionnait comme le gagnant de cette élection. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour la suite? Oui, c'est un fait majeur, hein, le fait que le président des États-Unis, ce matin, alors ce matin, heure française, mais dans Bien la sûr. nuit, heure des États-Unis, alors que des millions de bulletins sont encore à dépouiller et à comptabiliser, déclare sa victoire, alors qu'on a encore 5 ou 6 États, je crois, qui sont en balance. C'est un fait unique dans l'histoire des États-Unis, donc ça crée évidemment un précédent. Qui à la fois, selon moi, un aveu de faiblesse de Donald Trump, c'est-à-dire que s'il est sûr que la comptabilisation finale lui soit favorable, pourquoi ne pas aller au bout? Mais en même temps, ça repose sur un élément de force de sa part, qui est qu'il n'a pas été noyé par une vague bleue comme les sondages le prédisaient. Donc, par parenthèse, encore un nouvel accident industriel 2.0 des sondeurs américains. Et donc la photographie ce matin, enfin ce midi même maintenant, ce matin aux États-Unis, c'est que Joe Biden va remporter le vote populaire de manière beaucoup moins large qu'on pouvait le penser, 3, 4 millions, 5 millions de voix maximum, ce qui est déjà beaucoup. Il domine pour l'instant au nombre de grands électeurs, mais reste 5 ou 6 États selon... Qui sont indécis, dont les 3 fameux États du Midwest qui avaient fait sa fortune en 2016, hein, le Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, où il y a encore de nombreux votes par correspondance à dépouiller et à comptabiliser d'ici vendredi. Donc la situation, c'est Trump pas subi de vote sanction, il a plutôt même élargi sa base. Joe Biden a élargi la base de Hillary Clinton sur la seule fonction de l'anti-Trumpisme, mais ça a trouvé ses limites, manifestement, hein. Donc, ce qui permet à Donald Trump de rentrer dans une sorte de contestation, alors entre tentative de coup de force légale, peut-être aller jusqu'à la Cour suprême, puis qui sait faire agir ou faire intervenir des groupes armés. Alors, il y a quelques cartes peut-être qu'on peut regarder pour essayer Oui. de comprendre un peu où on en est, hein. Oui, parce que Biden n'a pas encore perdu, hein, si on soit bien d'accord, il n'est pas encore, il n'a pas encore perdu. Donc Trump n'est pas encore le nouveau président des États-Unis, peut-être qu'il ne le sera pas, on espère qu'il ne le sera pas. Et donc, tu le disais tout à l'heure, ça se joue dans quelques États clés, les Voilà. fameux swing states, notamment la Pennsylvanie, je crois. Voilà. Alors, globalement, la carte par rapport telle qu'elle est par rapport à 2016 n'a pas changé. Le seul État qui a changé, alors qu'il n'est pas encore officiellement validé, c'est l'Arizona, qui est un vieil État conservateur, qui est même considéré comme le berceau de la révolution conservatrice depuis les années 60, qui a basculé du côté démocrate. Pour le reste, la Floride a voté Trump comme en 2016. La Géorgie, cet engin, ça peut-être pencher du côté des démocrates pour la première fois. La Caroline du Nord, comme en 2012 et en 2016, du côté des républicains. Et donc, il y a ces fameux 3 États du Midwest, de la Rose Belt, la ceinture rouillée, les États désindustrialisés, où Donald Trump est en avance un peu dans le Wisconsin, Joe Biden vient de devancer Donald Trump, dans le Michigan et en Pennsylvanie. Et alors, pour comprendre l'astuce, si je puis dire, de la demande de Donald Trump, c'est dit, on va arrêter de compter maintenant. Parce que voilà, il faut connaître le vainqueur. Le reste, ce serait de la fraude. Évidemment, regarde, on prend un État comme le Michigan, donc dont la principale ville est Detroit, la ville de l'automobile. Ça, ce sont les votes qui ont été enregistrés. Donc le bleu, c'est la couleur du Parti démocrate, le rouge, c'est la couleur du Parti républicain, et la grandeur du rond, du périmètre, c'est le volume de votes. Donc on voit à peu près ce qui s'est passé là, et on voit ce qui est à venir. Les bulletins qui sont encore à dépouiller. Et évidemment, on est dans le bleu. Donc c'est des votes principalement démocrates qui vont arriver. Et c'est à peu près pareil dans le Wisconsin, si je descends un peu. Hop, en Pennsylvanie, c'est pareil, hein, autour de Philadelphie, la ville avec une forte proportion d'Africains-Américains, et les banlieues, avec là plutôt des femmes diplômées qui votent pour Biden, et Pittsburgh. Et si on descend dans le Wisconsin, donc le troisième État, c'est pareil avec la ville de... Alors il y a un peu moins parce qu'ils ont compté aujourd'hui le Wisconsin, donc avec Milwaukee.
Donc ce sont des votes démocrates qui sont enregistrés. Donc on comprend, c'est plus qu'une astuce, c'est tentative pour couper court un processus électoral. D'accord. Donc on peut dire que Biden est quand même en position plus favorable que Donald Trump pour l'instant, même si on n'est pas à l'abri de surprises. Pour l'instant, On a déjà connu ça. Mais force est de constater quand même que Trump, qui était donné largement perdant, a fait mieux que résister. Oui. Est-ce qu'on a des éléments sur quels sont ces nouveaux électeurs que Trump est allé gagner ? Alors ça, ça va être la chasse de tous les journalistes américains et autres, hein, pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Il y a des bascules qui sont, enfin des progressions qui sont impressionnantes. C'est plus 1 million de voix en Floride, par exemple. C'est 1 million de voix en plus aussi au Texas. En gros, enfin là où j'en suis, moi, je n'ai pas mené encore une enquête, mais j'ai regardé un peu les chiffres, les cartes, et bon, on voit qu'il y a vraiment une très forte mobilisation dans les swing states. Très très forte. C'est-à-dire que dans les États sans enjeu, républicains sans enjeu, Donald Trump retrouve son niveau de 2016, même parfois un peu en dessous. Donc d'abord l'enjeu fait que, et je pense que les sondages ont eu cet effet, alors je ne sais pas si c'était contre-productif, parce qu'il n'était peut-être pas fait pour mobiliser les démocrates, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et Donald Trump a pu s'appuyer sur quelque chose en disant, vous voyez, on va avoir une vague démocrate, ils auront tous les pouvoirs, la Chambre, le Sénat et la présidence. Et donc ça a permis de faire sortir de l'abstention qui était prévue plusieurs millions d'électeurs. On ne sait pas encore exactement combien, il faut attendre vraiment la comptabilisation finale. Mon intuition est que ça n'est pas possible de faire sortir autant de, enfin, 2, 3 ou 4 millions d'électeurs, disons en une semaine, deux semaines, des électeurs qui ne soient pas en fait des électeurs hors, en marge ou hors du système électoral. Voilà. Principalement, ils doivent être blancs, ils doivent avoir plus de 50 ans, c'est un peu l'archétype de l'électeur trumpiste. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui a un haut revenu. En fait, l'archétype du Trumpiste, c'est ça. Hein. Pas de diplôme, mais haut revenu. C'est des professions, cadre supérieur, un petit commerce. Voilà. Après, on verra très précisément. Mais en tout cas, je trouve que c'est du point de vue de sociologie électorale et de processus électoral, c'est assez impressionnant qu'il puisse qu'il ait réussi à sortir comme ça des millions d'électeurs de l'abstention. D'accord. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que ça va aller tranquillement à son terme et on aura un résultat d'ici 48 heures ? Ou est-ce que le Trump peut continuer à essayer de tendre les choses pour aller jusqu'au bout, lui, de sa tentative de coup de force, comme tu l'as dit ? Les deux. On va avoir les deux dans les 48 heures qui viennent, c'est-à-dire à la fois le processus de comptabilisation qui va aller à son terme, parce que la Cour suprême avait autorisé la Pennsylvanie à recevoir les bulletins par la poste jusqu'au 12 novembre et la Caroline du Nord jusqu'au 6 novembre. Donc ça va continuer, la Cour suprême n'interviendra pas jusque-là, à moins de se dédire, alors ce qui sera absolument incroyable. Donc ça va aller au bout. Dans le même temps, Trump va continuer à mettre la pression. Ils sont en train de frauder, Ce qui lui permet à la fois de préparer le cas où il est battu, en disant, vous voyez, il a fraudé. Pile, je gagne, face, tu perds, cette histoire. Et donc, elle est à la Cour suprême. Et en même temps, de dire à des groupes armés, attention, il faut peut-être se mobiliser. Ça viendra un moment. Il aura une phrase, comme il l'a eu lors d'un débat récemment. Donc, normalement, les résultats devraient être connus dans le Michigan et la Pennsylvanie. Vendredi. Donc vendredi, on sera. Dans le Wisconsin, ce sera sûrement aujourd'hui. L'Arizona, ils vont recompter à partir de ce matin, chez eux, de cet après-midi chez nous. Vendredi, dernier délai, on aura les résultats, on saura qui a gagné le collège électoral. Et à partir de là, on verra si Trump accepte ses résultats ou décide d'aller plus loin. À mon sens, il va aller plus loin. D'accord. Dernière question. Dans quel état sort l'Amérique de cette séquence électorale ? Oh ben c'est une Amérique qui est, je sais pas quel est le mot après divisé, parce que là... Fracturé. On a... Oui, mais c'est même plus que fracturé, parce que c'est... On s'est parfois interrogé dans les papiers qu'on fait, on se parle entre collègues, sur le mot irréconciliable. Et des fois, on me dit, c'est peut-être un peu fort, irréconciliable. Mais comment ces deux Amériques vont se réconcilier ? Elles sont en... Il y a un journaliste américain que tout le monde connaît un peu, c'est... L'un des deux qui a révélé l'affaire du Watergate, hein, il s'appelle Carl Bernstein, qui parle depuis, qui utilise une formule, qui parle d'une guerre civile froide, ça fait à la fois la référence
évidemment à la guerre froide, mais à la guerre civile, que les Américains, que nous on appelle guerre de sécession, mais eux appellent guerre civile. Donc en mêlant ces deux éléments, on voit quel est le climat de tranchées politiques qu'il y a aux États-Unis. Puis il faut se souvenir que dans les manifestations ces dernières semaines et mois, il y a eu des affrontements physiques avec des morts par balle. Donc jusqu'où ça peut aller? Comment l'Amérique va se réconcilier? Pour l'instant, je ne le vois pas. Et sachant que quel que soit le président, ce sera une Amérique qui sera bloquée institutionnellement. Puisque si Donald Trump est élu, il ne disposera pas de la Chambre des représentants qui reste démocrate. Et si c'est Joe Biden, il ne disposera certainement pas du Sénat qui finalement reste républicain. Donc il y aura un blocage total institutionnel en haut et un pays qui est de plus en plus divisé, fracturé et plus. D'accord. Merci Christophe. Juste quelques informations. Bien évidemment, vous pourrez retrouver toutes ces informations tout au long de la journée sur le site internet de l'Humanité et demain dans l'édition du quotidien de l'Humanité. Et on retrouvera nous, Christophe, vers 17h pour un nouveau point. Et bien évidemment, en fonction de l'évolution de la situation, peut-être que demain, on refera un direct un peu dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis à tous les internautes.